Donc, la dernière fois, donc on a fini la New Game Plus 1. Maintenant, on va aller reset nos stats du coup, avant de lancer le troisième périple. Ici, normalement. Non, ça on va pas lui donner. Réaliser les attributs. Encore 5 fois au cours de cette vie. Ok. Alors on a 142 moins 8, ça fait 134 à réallouer. Si je regarde ce que j'ai noté. Donc pour l'espadon du jugement, on va se mettre 40 de force, 30 de dex, 50 en intelligence. Ouais. Ça me paraît ok. Hop. Ok. Ah, ça me fait quand même très peu de stats au final. Peut-être. Ah oui, mais merde, j'avais mis 40. Ouais. Ouais, on va rester sur ça. Hein. Rester sur ça. Ah, mais il faut que je mette un peu de vigueur aussi. Si je mets pas de la vigueur. En termes de poids, je suis à combien? Non, on peut pas le voir ici. Ok. Ce timer Yokuma, comment ça va? Alors, comme ça on n'était pas dispo là. Putain, tu m'as forcé à faire du montage, meuf. Je me suis dit, vas-y, si tu viens pas, je fais du montage. Ça a duré 3 heures. J'en pouvais plus. Du coup, on va voir si on tient l'armure ou pas. J'ai oublié quelqu'un. Oh. Comment ça, j'ai oublié quelqu'un? Oh. Ouais, mais c'est parce que je ne vois que toi. Enfin. Salut la def en or, putain. C'est vrai que je t'ai pas vu là. Bienvenue, bienvenue. Donc on reprend le challenge New Game Plus 10 du coup. Donc là, on a 5 heures de jeu. Ça, c'est que la New Game Plus 1. Là, je m'apprête à du coup à reset et passer à la 2. Le problème, c'est que j'ai fait un peu de la merde au niveau du personnage qui permet d'échanger les âmes de boss contre leur arme. C'est-à-dire que je lui ai pas parlé avant de remettre les cendres des seigneurs et du coup, il a disparu. Donc, j'ai pas l'arme suivante, l'espadon du jugement. Donc, je vais être obligé du coup de refaire la deuxième avec les mêmes armes jusqu'à l'arbre maudit pour qu'il apparaisse. Et puis voilà, c'est un peu con, mais bon, on va faire avec. Hop. Vérifier que je suis bien en train de lancer l'enregistrement. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais c'est. En fait, j'avais complètement zappé que ça existait, ça. C'est complètement con, d'ailleurs. Parce que normalement, si tu lui parles, il disparaît, mais du coup, tu peux quand même échanger les. Comment ça s'appelle? De l'Est. Tu peux quand même échanger. Enfin, il n'y a rien quoi, mais tu peux échanger les armes quoi. Mais là, je sais pas pourquoi. Là, tu peux pas. Ok. Alors. Donc, si j'ai pas fait de la merde. Alors, attendez, parce que là, c'est le moment où. On va tester. Hop, les settings. Skip, split, c'est deux.
Ah non, c'est juste split. Ok. Alors attention. Je suis pas encore familier avec ce logiciel, donc... Ok. On va voir. À cause du timer, on dirait que tu fais un speedrun. Bah, c'est un peu l'idée, c'est un peu de tester le logiciel, tu vois, pour ensuite en faire, parce que... Ok. Après, d'ailleurs, le speedrun est pas ouf, là, parce que 5 heures... Mais bon, là, clairement, c'est juste pour avoir le temps global, voir le temps que ça va me prendre pour faire tout ça, en fait. Et là, je me dis déjà, juste la première game, j'ai mis 5 heures. Donc, ouais, ça va être bon. Et je me suis noté 2-3 petits trucs à pas oublier pour pouvoir reset ensuite mes stats. Mais... J'espère que je mettrai moins de 5 heures pour la deuxième quand même, parce que... Bon, on va commencer tout doucement à gagner. C'est vraiment dommage hein, que j'ai pas l'espadon là, ça me fait un peu chier. Mais bon. Gendir, hein, est pas très compliqué. Combien il va me donner en New Game Plus 2? Combien? 16 500. Pas mal, on s'améliore. Ça monte. Alors, est-ce que je vais faire comparer à la première partie de ce challenge? C'est que je vais m'assurer d'avoir le petit marchand hein, qui va pouvoir me vendre des braises, parce que je me suis rendu compte au final que j'étais assez juste. Alors déjà, hop. Est-ce qu'on aura besoin... Non, on n'aura pas besoin de magie en vrai. On va en avoir besoin, mais très peu, donc... Ah mais si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'en ravis, voyons. C'est pas du tout... Je vais pas faire le kiki, on va prendre les feux quand même. Parce qu'on sait jamais sur un malentendu. Ferme là. Je pense que j'aurais dû aussi me renseigner sur la localisation des braises. Je connais un endroit où il y en a un peu. Ok. Mauvais endroit, mais c'est pas grave. En vrai, je me dis, ce challenge, il va un peu m'aider pour le speedrun. Parce que du coup, voilà, ça va m'éviter de faire ce genre d'erreur, par exemple. Au lieu d'arriver sur le côté et de... Ah putain, ouais. Ouais, bah oui. Déjà ? Ça commence déjà ! Mais gros ! Attends, par contre, on va pas mourir avant. Bon, bah, on a notre premier ami qui est là. Bon, on va l'attendre. Hein. On va l'attendre. Putain. J'ai même pas pris le feu. Attends, je peux prendre le feu quand même? Je peux le débloquer? Ouais. Comme ça, s'il nous défonce. Ah, par contre, attends, relève-toi, parce que j'ai pas les bons anneaux, là. J'aurais pas dû changer tout de suite. Vite, avant qu'il arrive, Mister, là. Voilà. J'espère qu'il va nous trouver vite, parce que j'ai pas que ça qu'à faire, moi.
C'est quoi ton boss Soulsborne préféré? Waouh, 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 mais qui te dit déjà que j'ai fait Qui te dit que j'ai fait Bloodborne déjà? Ou si tu me dis Soulsborne, tu parles de tous les trucs, y compris Bloodborne. Parce que Bloodborne, je suis en plein dedans, donc. Mais il est sérieux, lui? Putain, je change les anneaux pour lui, ce bâtard, il se casse. Non, mais je rêve. Bon, bah, c'est pas grave, on va rester comme ça. Mais tu comptes Sekiro dedans aussi, ou pas? Parce que si on met Bloodborne, moi, faut que tu me mettes du Sekiro, hein, parce que... Après, c'est Sekiro, y a pas vraiment de boss que je kiffe, en fait. C'est plus la mécanique globale du jeu que j'adore. Par contre, je peux te donner des boss que je déteste, hein, ça... Ça, c'est une possibilité. Laisse-moi tranquille. Ok, l'idée c'est d'aller récupérer la clé. Hop. Et de se barrer. Ça va marcher ça? Oh. J'adore ce jeu. Tous les jeux From Software. Waouh! Ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. Parce qu'en plus, suivant les trucs, le gameplay est un peu différent. Certains sont plus lents et tout. Donc, ça compte hein, pour tes boss préférés. Hein. Laisse-moi réfléchir jusqu'à la New Game Plus 4. Au moins. En tout cas, pour Dark Souls 3. Putain, mais même Dark Souls 3, en vrai, c'est. Même pour Dark Souls 3, en vrai, je sais pas. Hein. Je pense Gaël, il est dans le top 3, c'est sûr. Vous voyez comment j'ai changé tout de suite le... Je suis passé de tous les Souls à juste Dark Souls 3. Parce que c'est plus facile. Ah bah après, je vais te dire Nashandra parce que... parce que j'adore Dark Souls 2, mais... En vrai, le fight, il est pas ouf. Globalement, le boss est stylé, mais le fight... Si je suis honnête, il est rapide quand même. Hop. Ok. Donc maintenant, direction. Ouais, on va vite fait faire Vort. La danseuse, j'aime beaucoup. La danseuse, ouais, pareil, elle fait partie d'un top 3 de Dark Souls 3 déjà, donc. Donc Gaël, la danseuse. Ah, Gundyr champion, s'il est cool. Mais je le mettrais peut-être pas dans le top 3. Oula. Est-ce que je survis là? Ouais. On va prendre les braises ici. Alors le premier coup était bien évidemment calculé, hein, c'est pour ça qu'il m'a pas touché. Absolument pas un coup de chance. Personne dans tous les jeux de boss que... Wow, attends, excuse-moi. Hop. C'est pas le moment de lire un commentaire. Ok. Perso, dans tous les jeux, le boss que je préfère le moins, c'est le foyer du... Ah bah, là-dessus, pour moi, il est même pas dans la catégorie boss, en fait. C'est la pire merde qu'ils aient pu faire. Honnêtement, je le déteste. Je le déteste. Pire boss du... Ouais, de tous, en fait. Là-dessus, on est d'accord, il est horrible. En fait, tout est horrible. Déjà, le fait de le tuer, c'est pas satisfaisant. Si tu crèves, le chemin pour revenir, c'est trop... Enfin, laisse tomber, quoi. Tu mets trop de temps. C'est beaucoup trop long. En plus, tu peux très facilement crever, hein, parce que son bras, là, il est tellement... Enfin, avec les années, j'ai appris à le...
j'ai appris à comprendre comment il pensait, le bras, tu vois, quand il passait, là. J'arrive à le bait maintenant, mais... Putain, au début, c'était l'enfer. Bon, les vortes. Bon, normalement... Ouais, bon, je fais à peu près les mêmes dégâts que dans la première. Ah, dommage. Je pensais que j'allais réussir à le... J'ai loupé. Okay. GG Noit. Ah, c'est vrai. J'ai même pas capté. C'est vrai, c'est vrai. Alors tiens, essayons de trouver le pire boss de chaque Souls. Ça c'est intéressant, ça. Parce que le meilleur, il y en a trop, en vrai. Mais, donc, Dark Souls 1, on l'a dit, foyer du chaos. Plus sa mère, ce boss. Horrible. Dark Souls 2. Ouf, alors là, on a le choix. Hein. On a le choix. Dark Souls 2, en vrai, pire boss. Alors là, faut que je réfléchisse, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a que je déteste. Bah, il y en a un dans les DLC, je l'ai fait qu'une... Tous les DLC de Dark Souls 2, je les ai fait qu'une fois. Mais ouais, il y en a un que je supportais pas. C'est celui où il y a les espèces d'anges, là. Et ils sont deux. Et du coup, tu te fais... Bon, le chien, s'il te plaît. Ils sont deux et tu te fais canarder tout le temps, c'est horrible. Le dernier géant, c'est le premier, ça. C'est le tout premier boss. C'est un message en mode ancien viewer. Ah ouais? En gros, t'as un ancien, quoi. Non, mais. Moi, je le vois pas, Kuma, perso. Hop, on va faire la quête du coup du marchand. On va prendre ça. Là, je suis en train de réfléchir quel chemin vaut mieux que je prenne, si je vais à gauche ou à droite. J'aurais dû réfléchir avant, parce que je sais pas. Ça peut être design. Ah oui, bah oui, dégueulasse le. Ah ouais, moi je parlais vraiment en termes de gameplay. Hein. De gameplay et puis même de. J'ai vraiment l'impression que ce boss là où il y a les deux anges, vraiment c'est juste pour te chier dessus quoi. Il n'y a aucun. T'as très peu de temps où tu peux te permettre de heal avec tout ce que tu viens de te manger dans la tronche, donc ok, alors que je fasse pas de conneries. Faut pas que j'aille faire l'arbre. Faut que je retourne voir le nain. Hein. Parce que sinon, si je lui donne pas l'os de sa femme avant de faire l'arbre, je crois qu'il se casse. On va faire deux petits save quit out. C'est chiant, mais on a les SSD donc ça va aller vite. J'ai l'impression que ça a pu vite dans Elden Ring, je sais pas pourquoi. Moi, ce préféré de Dark Souls 2, c'est le monde dragon. Je crois savoir pourquoi. Hein. Ah là là. Je crois savoir pourquoi. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Dark Souls 2, c'est que tous les petits boss que tu peux faire et que tu peux one-shot tout de suite, en fait. J'adore ça, mais faut que tu le saches. Genre ça, avec le entre guillemets, le deuxième boss du jeu, quand tu prends la route principale, là,
Celui où tu peux activer l'espèce de. Je sais même pas c'est quoi, c'est une sorte d'arbalète géante quoi. Et du coup tu peux le one shot avec deux coups, ça c'est. C'est cool quand tu sais ça, tu vois. Goodbye, do stay safe. Ok, donc je lui ai donné, donc il va se barrer. Maintenant, est-ce qu'on fait l'arbre tout de suite? Ouais. Faut que je regarde où sont les langues pâles là. Je les avais notées. Alors, quand des morts vivants dans la zone, vous combattez le démon de feu. Ok, donc ça c'est quand je repartirai pour l'autre zone. Hop, donc je peux aller faire l'arbre direct. Le boss s'appelle le poursuivant. C'est ça. Voir si je me souviens du. Non, non, ici il y a un endroit où je peux monter. Si je suis pas trop mauvais. Allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Tu l'as déjà fait. Putain. Merde. Ou alors c'est là? Ah, il y a là aussi peut-être. Non, ça peut pas être là. Bon, censé. Censé m'aider à aller plus vite, hein, normalement. Ou alors c'est parce que je suis trop lourd et du coup le saut il va pas assez loin. Putain, géant, tu fais pas trop ton taf là. Hein. Merci. Bon, c'est pas grave, on va faire le chemin à pied. Putain, c'était gênant en ce moment. Je vais récupérer les cendres. Je pense que je suis trop lourd et du coup le saut il est pas assez. Je pars pas assez loin. Ou alors je suis juste mauvais, je sais pas. Je suis en train de me refaire tous les boss de Dark Souls 2 là. Parce que. Vas-y, on va pas compter les DLC parce que les DLC j'y connais trop peu. Ah si, boss qui est extrêmement chiant. Le cheval. Le cheval. C'est celui qui est optionnel là. Oh là. Pas très compliqué quand tu l'as fait tomber de son truc, mais putain, mais allez. Bon, on va prendre son temps, c'est pas grave. Ok, et de 1. Dis-moi que j'ai accès à ta. Ouais, j'ai accès, mais. Je crois que les œufs dans son dos là ils sont pas encore accessibles. Ouais, le cheval il est horrible. Enfin, la zone pour y aller. Déjà, ouais, la zone avant pour y aller avec le pont là et les mange-morts là. Très très chiante. Plus le chemin avec tous les squelettes là après. Super. J'esquive, non? Non, c'est là. C'est là qu'il faut que j'esquive. Je sais plus. Oh, c'est autant ici. Que ceci est calculé. Ah, il y a là aussi. J'ai peur qu'il me chope. Je sais pas quand est-ce qu'il va me choper, je la vois pas sa main. Wow, ah oui, les dégâts. Oh. Ils sont gentils avec moi. C'est quoi ça? Non mais ça s'appelle de l'abus ça. Allez, casse-toi. Oh, la grappe là c'était de l'abus, je suis désolé. C'est n'importe quoi. Bon, c'est bien passé. Ça, c'est bien passé. On va retourner là.
Au début que je jouais, c'était les trois sentinelles les plus. Ah ouais, c'est vrai que les trois sentinelles au tout début, elles sont extrêmement chiantes. Hein. Mais en même temps, c'est parce que t'es low en vie, donc low en vie, low en dégâts. Moi, je t'avoue, au début, j'hésitais pas à invoquer le gars qui fait de la magie, hein, parce que c'est trop chiant ce passage. Trop trop chiant. Bah après bon, quand tu connais le jeu et que tu sais devenir OP très vite, tu fais les dégâts nécessaires avant que les deux autres arrivent quand même. Oh si, le rat géant là. Ça se passe pas trop comme prévu. Ça s'est pas trop passé comme je le voulais. Je le ressens, hein, que je suis un peu plus lourd avec la tenue là, putain. Ok. Normalement, je devrais pouvoir descendre direct. Bon, on va tenter. J'avoue que j'ai un peu peur. Ok. Ok, ok. Donc, peut-être me mettre à poil pour le saut. Peut-être. Bon. Bon, les calculs étaient pas bons. Ah oh! On a tous vu ce qui vient de se passer là. Il a glitch. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Sympa ça. Sympa. Bah si je me mets à poil, ça devrait aller, je pense. Moi je tirais pas l'anneau du félin. Ah oh, mais gros, l'anneau du félin dans le jeu, faut faire une quête. Laisse tomber. Flemme. En vrai, si je me mets à poil, ça devrait être bon. Putain. Hop. Ça, faut vraiment que je le traîne, hein, si je veux faire du speedrun. Attends, pourquoi il m'attaque? Parce que j'ai niqué le truc du foyer, là? Hop. Bon. On va se foutre à poil. On va se foutre... Voilà l'épée en plus. Voilà. Si avec ça je meurs, c'est du bullshit. Eh, hey, calculé, hein. C'était calculé ça. Attends, j'ai combien là? Dis-moi que c'est du 1 PV. J'ai 1 PV. Bravo! Bravo, ça on peut le dire, on peut m'applaudir, hein, parce que là, à ce niveau-là, c'est du génie. Mon dieu. Bonjour Scaravi. Tu me traites de noob là, alors que je viens de réussir un saut de fou là? Non mais attends. Non mais je rêve. Puissance d'attaque. Hop. Non meuf, là comme tu peux le voir, on n'est pas dans un speedrun, hein, parce que sinon je serais pas, je mettrais pas autant de temps. Mais on, c'est prévu, c'est prévu. Je compte en faire par la suite, mais. Mais bon, je pense que je vais avoir beaucoup de temps. Beaucoup de temps en préparation avant de le commencer. Il y a tellement de trucs à savoir. Il y a tellement de trucs où faut s'entraîner, c'est. Bon, ce que je vais faire du coup là, c'est que je vais retourner en haut pour récupérer la langue de pâle qui va me permettre de reset mes stats. D'ailleurs, truc que j'ai toujours pas compris, il en faut 5 et tu peux en choper que 3 dans la nature.
Donc je me demande comment je faisais à chaque fois pour en avoir 5. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui manque. Tiens d'ailleurs, quand est-ce que tu reprends le jeu là, Scaravi? Parce que bon, j'ai un perso qui est level... qui est level combien? Ouais, je suis level 42, je peux t'aider hein, si c'est besoin. Merde, c'était là. Hop. On va même pas aller le faire, hein, le démon. Hein. C'est juste pour aller récupérer la langue de pâle. Je crois qu'elle est sur le dernier. L'esquive était parfaitement contrôlée. C'est pas du tout celle-là. C'est l'autre. Attends, il l'a pas fait tomber avec son gros coup là. Merci. Allez, moi je te laisse solo frérot. J'ai confiance en toi, tu peux le faire. Il peut le faire, il peut le faire. Il est entraîné. Je veux jouer à Elden Ring. Non mais meuf, Elden Ring, je suis pas prêt là. Je suis pas prêt. Ils sont où les autres langues de pâle avant que je me barre? Alors, ah, ensuite c'est à la cathédrale. Ok. Ok, ok. Eh, mais attends, ça y est, là, je peux aller me prendre mon arme, je suis bête. On va enfin pouvoir commencer ce New Game Plus normalement. Là, je vais faire Zelda. Super. Vieux jeu, meuf. Tu joues un vieux jeu, tu te rends compte ou pas? T'as pas honte? Alors, je vais faire un truc. Je vais acheter toutes les armes dont je vais avoir besoin par la suite. Comme ça, ce sera fait. Donc, premier, espadon du jugement. C'est celle-là. Ensuite, l'espadon clair de lune, c'est elle. Lame... Non, grande faux de Frid. Elle est là. Ensuite, lame effilochée, c'est celle-là. Grande machette de Yorm. Ensuite, grande hache tueur de dragon, c'est celle-là. L'épée sacrée de Lodric, elle est où? C'est celle-là. Lance d'arrêt, elle est là. Et pour finir, New Game Plus 10, l'arbalète. Ça va être vraiment fun, ça. Ok. Normalement, j'ai mis les stats... pour celle-là. Donc l'arme elle est basée ouais, en magie principalement. Et après on va augmenter la force pour booster les dégâts. Alors la vraie question c'est est-ce que je peux la maxer ou pas? Oui, ok, ouais, je suis large pour la suite. Ça va. Je pensais que j'étais ric-rac au niveau des titanites, mais en fait, je suis bien. Bon, bah, c'est parti. Alors, il y a un petit truc sympa. C'est que si j'utilise la capacité de l'arme, donc genre, soit je fais cette attaque, ou soit je fais cette attaque, et bah, mon arme, elle gagne un petit boost de dégâts. Donc, et le boost il dure je crois 35 secondes, un truc comme ça, 35-36. Ce qui fait que du coup je peux continuellement l'utiliser en combat. Donc faudrait que j'y pense quand je serai en fight. Du coup on va se mettre ça qui booste les dégâts magiques. Ça ne sert plus à rien. On va se mettre le boost en force. Et on va se mettre
Le boost en intelligence. Voilà. Bon, je sais pas si c'est si optique ça, mais pour l'instant, on va faire ça. Ça, on a 13 de braise pour le début. Ça devrait aller. Là, par contre, je pense que tous les points là, je vais les mettre en vigueur. Faut que je passe en dessous de la barre des 60 là. Je sais plus si c'est 50 ou 60 pour le poids. J'espère que c'est 60 parce que sinon. Sinon, Scarvy, tu sais, le Zelda, tu peux le faire sur PC, hein. Tu veux utiliser des mods pour que le jeu soit réellement beau. C'est une possibilité. Hein. Mais après, me demande pas comment on fait. J'imagine qu'il faut un émulateur et tout, mais. Alors, dans le doute, on va prendre le petit feu qui est là, au cas où je fais de la merde. Je vais le prendre sur PC, j'ai pas la Switch. Ah bah super, en plus tu vas dépenser zéro. Bien joué meuf. Toi t'es pas bête, pas comme, pas comme une certaine personne là qui veut racheter une Switch juste pour Jada. Je ne donnerai pas de nom. Ça s'appelle Kuma. Bon. C'est parti. Sage de cristal. Oh, les damage! J'aime beaucoup. Ça a été rapide avant que tu donnes. T'as vu ça? Voilà, faut écouter là. Ok, là-bas. Oh, j'aime beaucoup. Attention, on va tester l'autre. Donc pour le coup, j'ai augmenté un peu la magie, histoire que je puisse l'utiliser quand je suis en combat de boss. Ah. Ok. Va falloir que je fasse gaffe parce que les dégâts que je me prends en... sont un peu boostés. Ils sont un peu boostés parce que j'ai mis un petit anneau qui fait ça, donc on va faire attention. Putain, j'ai cru que c'était la vraie. Elle est où la vraie? Elle est là-bas. Elle est pas du tout là-bas, elle est là-bas. Putain, mais ils sont collés, c'est de la triche hein. Wow. On est passé à deux doigts de la catastrophe là. Allez, on va le finir en. Encore un. Ouais, putain, c'est stylé. J'aime beaucoup.